L'avenir d'Alpha Tauri dépend des résultats et des actionnaires, déclare Marco. On va pas commenter les rumeurs en général, a répondu Marco, mais il est bien normal qu'Alpha Tauri ne soit pas satisfaite de ce qu'elle a réalisé l'année dernière. Cependant, toute décision appartient entièrement aux actionnaires. Selon les rumeurs, il y a déjà trois acheteurs potentiels. Donc il y a Hi-Tech, Grand Prix, Andretti et une équipe indienne appelée Mumbai Falcons. Comme je l'ai dit, poursuit Marco, si l'équipe n'est pas performante, ça ne nous aide pas. Nous réfléchissons donc déjà à la manière d'améliorer l'efficacité. Quand vous avez une équipe qui gagne le championnat du monde et que l'autre est 9e, ça signifie que les synergies ne semblent pas fonctionner correctement. En tant qu'homme d'affaires respectable, nos actionnaires prendront la bonne décision. Mais tout le reste n'est que du vent. Ouais. Ouais, il y a trop de rumeurs, hein. Je pense qu'elle va être vendue au final, cette équipe, c'est quasi sûr, quoi. Alors, qui va la racheter, par contre, ça, mystère. Mais vu qu'il y a pas mal d'acteurs potentiels qui sont sur le qui-vive pour acheter cette équipe, à mon avis, elle va vite partir si elle est vraiment en vente. Bon, pensez qu'elle sera vendue ou pas, cette équipe? Allez, ciao.